Yo les gars, Sensi, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Rocket League. Je vais pas parler trop fort parce que il est 2h du mat. Mais mon micro, normalement, je l'ai réglé. Vous me direz dans les commentaires si le son est bon. Mais je crois que le son est pas mal. Donc dans cette vidéo, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter la voiture de Cars. Bon, vous l'avez vu vite fait parce que je l'ai déjà acheté. Et on va faire une game avec. Donc ça va être très cool. J'ai déjà tourné cette vidéo une fois. Sauf que c'était un gros flop, mec. C'était la pire vidéo du monde. Donc, je vais la publier peut-être sur la chaîne secondaire. Comme ça, si vous voulez voir les coulisses d'une vidéo flopesque, vous pourrez la voir sur la vidéo, sur la chaîne secondaire, pardon. Oh lolo, magnifique. Magnifique. Et le dernier cadeau. Je me suis dit que c'était cool pour l'intro de faire un petit opening de case. Et donc voilà, c'est terminé. Maintenant les gars, on va tout de suite aller dans la boutique. Alors, juste avant, vous allez mettre le code créateur NSQ dans Rocket League et dans Fortnite, si j'arrive à écrire. Hop. Moi je l'ai pas mis. Je suis un peu un teubé. Je suis un peu teubé puisque quand j'ai acheté ma voiture, enfin Cars, ben, je l'ai pas mis. Mais bon, c'est pas grave. Pensez à le mettre, vous. Alors les gars, attendez, je prends un peu de temps parce que je suis en train de regarder sur mon application. Combien j'ai dépensé d'argent pour vous expliquer la meilleure solution. Donc les crédits, moi je vous conseille pas parce que le pack complet de Cars, si vous voulez juste la voiture, je crois que c'est à peu près 1500 ou 2000, mais si vous voulez le pack complet avec tout, c'est 2500. Pour avoir 2500 crédits, c'est un peu galère. Soit vous prenez 3000, ça vous fait 23 balles, soit vous prenez deux packs à 1000, un pack à 500, ça vous ferait à peu près 9, 9, 18, ça vous ferait 20, 22. Bon, c'est le même prix. Ou soit vous prenez 5 fois 500, ça vous fait à peu près 25. Donc c'est pas rentable. Mais moi je vous conseille pas ça. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement que je suis allé sur RL Exchange. Alors je vous conseille pas trop les sites qui sont pas Epic Games. Mais sinon, ça vous coûte 2500 crédits pour à peu près 13 euros. Donc c'est très cool. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Sauf que j'ai été con parce que en plus d'acheter les 2500 crédits à 13 euros sur RL Exchange. J'ai aussi mis 5 euros de 500 crédits. Donc c'est pour ça que j'ai 500 crédits à droite. Je suis un peu gogol. Mais là n'est pas le sujet. Maintenant, je vais vous montrer vite fait la voiture. Donc voilà la petite voiture de Cars qui est magnifique. Donc ça c'est la classique. Vous avez en mode Dinoco bleu qui est magnifique. C'est ma préférée clairement. Vous avez la cuisine. Donc celle-là je crois que c'est quand il se met en mode BG dans le film. Elle est très stylée. Donc vous avez les roues aussi White Wall. Celle-là les gars, je les surkiffe de fou. Même avant qu'elles soient dans Rocket League, dans les films et tout, j'avais les voitures les gars. Ces roues comme ça sont magnifiques. Les petites bleues et les classiques rouges avec un petit contour jaune stylé. Pour l'explosion de but, ils se sont vraiment pas foulés je trouve. Il est vraiment éclaté. C'est nul à chier. Pour la petite bannière, elle est sympa. Mais je pense qu'ils auraient pu faire en mode animation un petit peu. Et vous avez une hymne. Alors je sais pas si c'est une musique de Cars. J'imagine que oui, il y a marqué Disney Pixar Original Soundtrack. Mais en tout cas, on l'entend pas très bien. Alors, j'ai fini de parler, les gars. Je fais que de parler. On va mettre directement notre voiture. Hop. Et on va lancer tout de suite. Pas de montage, les gars, dans cette vidéo. C'est chill. Il est 2h du mat. On se prend pas la tête. Et donc c'est parti. J'espère que le temps d'attente ne doit pas être trop long. Parce que sinon, je vais devoir vous parler pendant 3 ans et c'est un peu chiant. Ou sinon, je fais juste une pause. Ok, les gars, j'ai fait un petit cut parce que vas-y, j'étais obligé et ça mettait 3 ans à lancer. On se retrouve en game du coup. Je vous laisse regarder la petite voiture, comment elle est trop belle. Bon, faut aussi que je me focus dans ma game. Alors, je vous préviens, le niveau va pas être fou ce soir. Oh, il y a un Cars, y a un Cars rouge. Il y a beaucoup de gens qui ont Cars, j'ai remarqué. Parce qu'il est vraiment cool. Il y a beaucoup beaucoup de gens. Je suis tombé sur au moins 10-15 mecs qui l'avaient. Elle est vraiment belle. Parce que c'est l'un des seuls partenariats, les gars, de Rocket League. Parce qu'ils font très peu de partenariats. Ils avaient fait avec Ghostbuster. J'avais acheté la voiture. Elle était très belle. Ils avaient fait avec Batman aussi. Enfin, ils en font très peu en général. Et heureusement qu'Epic Games a racheté Rocket League. Parce que bah, grâce à eux, on a des bons partenariats, des super voitures. Peut-être qu'ils ont fait certaines décisions un petit peu mauvaises, je suis d'accord. Mais en général, Epic Games, ils sont quand même forts. Donc je vous disais les gars, le gameplay ne sera pas exceptionnel aujourd'hui.
Parce qu'il est 2h du mat, c'est ma deuxième game. Enfin, on est là pour montrer la voiture. D'ailleurs, vous voyez mon pseudo, il y a plein de caractères carrés blancs buggés. Parce qu'en fait, c'est un pseudo qui marche sur Fortnite avec des caractères spéciaux. Sauf que sur Rocket League, il ne marche pas. Oh, le but de fou. Sur Rocket League, ça marche pas. Du coup, ça me met des caractères bizarres. Waycy Néon, mec, je sais même pas ce que c'est. Mais du coup, ouais, sur Fortnite, j'ai un pseudo plutôt stylé. Ok. Bon, on est contre une team qui joue ensemble. Ils sont dans le même groupe. Et ils sont team TDN. Hop. D'ailleurs, j'ai explosé Kars avec Kars. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, les gars. C'est que littéralement tous les gens que j'ai croisés jouaient Kars en rouge. Que la variante de base. Alors, je sais pas pourquoi. Soit les gens ont acheté juste la voiture classique rouge. Je sais même pas si c'est possible. Est-ce que tu peux acheter la voiture rouge toute seule? Ou tu dois obliger à acheter les trois couleurs? En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont la rouge. La classique. Je sais pas pourquoi. Elle est très bien, hein, la classique. C'est le classique et tout. Mais je sais pas, la bleue, elle est tellement belle. Après, la rouge OG, je la trouve pas si folle. Dans le film, elle est super belle, mais là, on dirait qu'elle est vide de fou. Mais genre vraiment. C'est juste Cars sans dessin. Et tout rouge, rouge pourpre. Mais bon. Les cinématiques sont un peu longues quand même sur ce jeu. La vidéo va être un peu longue, les gars, mais c'est chill. Vous voyez du petit gameplay. Je vais essayer de pas trop parler. Parce que si je parle trop, il y a peut-être des gens qui ça va leur casser les couilles. Vous avez rien vu, vous avez rien vu. Faites comme si c'est moi qui avais marqué. Putain, j'ai tenté un truc, les gars. Je vous ai dit, 2h du mat, c'est chaud. Bon, au moins, je suis content. Vous avez une game. Vous avez une game. Une game pas mal. Parce que la game d'avant, qui sera sur la chaîne secondaire, elle était catastrophique. Là, j'ai l'impression que c'est déjà un peu plus clean. Par contre, j'ai vu qu'ils parlaient dans le chat, ils sont anglais. Ah, il a marqué contre son camp. GG guys. Voilà, je leur mets un petit message. Ils sont gentils. Voilà, vous avez vu un gros plan de Cars rouge et Cars bleu. C'était magnifique. D'ailleurs, j'ai acheté la voiture dès qu'elle est sortie à 21h. Je sais pas pourquoi elle est sortie aussi tard, mais c'est pas grave. Et donc, je l'ai acheté à 21h. Et je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à faire des vidéos. Alors que de base, c'était prévu que j'en fasse une. Parce que Cars, c'est incroyable. Mais je sais pas, j'ai oublié sur le moment. Et donc là, je la tourne à 2h du mat. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. À part que j'ai mis 5 euros pour rien, vu que j'avais déjà mes crédits. Hop. Le petit contre. Et. Oh, j'ai trop flop, sa mère. Oh, j'ai flop de baiser. Oh, le big flop. Vous avez rien vu, vous avez rien vu. Oh, j'ai cru qu'il allait me bait. Mais au final, il allait tout droit. Hop là. Ouh. Ouais, frère, je flop. Non, oh, non. Le duel des flashs. Ah mais vous voyez, il a le pack complet, je crois. Vu qu'il a le truc du but. Il y a beaucoup de gens qui ont le pack complet, je vois, ils ont des bannières cars et tout.
Du coup, je comprends pas pourquoi il joue la voiture de base. Peut-être que vous aussi, vous préférez la voiture classique. Je sais pas. Peut-être que je suis le seul mec qui préfère la bleue. Aucune idée. Oh, il aurait pu mettre une double tap sympa. En tout cas, je n'ai vu personne avec la rouge horrible. Ouais. Ich. Bon, pendant ce temps-là, je vous fais un petit review de la voiture. Magnifique, regardez-moi ça. Pépépé. Là, je crois qu'il y a des animations spéciales en fonction de ce que tu fais. Par exemple, si tu dérapes, je crois qu'il regarde un peu sur le côté, bizarrement. Genre en mode rise. Je crois que si tu sautes, peut-être il fait une tête un peu vénère. Vous avez vu là, il avait une tête vénère. Il y a des animations. Il y a des animations à chaque fois. Donc c'est plutôt cool. Bon, je sais pas ce qu'ils font. Putain, la vidéo elle dure trop longtemps, c'est une dinguerie. Je suis désolé les gars, mais vas-y. Miaou. Surtout que j'ai pas de monteur. Bah après, j'ai pas de sous pour payer un monteur. Faudrait que je monte moi-même, mais. Vas-y. Ouais, frère, c'est une dinguerie. Ils veulent tout faire pour que la game dure 3 ans. Mon mate là. Je vais le taunt un peu. S'il remarque un but et qu'il y a en prolongation. Non, mais c'est une dinguerie. Bon alors là, personne ne l'avait prévu celui-là. Là, je vais taunt mon mate là. Je suis obligé. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Comment ça, merci? C'est vraiment un bâtard. Si on perd la game. Ah bah non. Non, mais mec. C'est la pire game de tous les temps. Bah, les gars. Frère, c'est quoi cette game éclatée? Ça va, j'ai fait des petits points quand même. Bon, bah, les gars. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. C'était chill, c'était sympa. C'était surtout pour voir le petit Cars là. Regardez-moi ça, comment il est stylé, oh. Magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit code créateur sur Epic Games, sur tous les jeux, bien sûr. Ça me ferait très très plaisir. Et puis voilà. Ciao, ciao.